et de l'autre, l'équipe. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Van. En effet, ce sont deux formations qui peuvent parfaitement se neutraliser. Il est très dur de les départager en ne regardant que les chiffres. Heureusement, Eric, c'est sur le terrain que tout se joue ce soir. Bien mis au sol par le défenseur. Les transmissions sont bonnes et formation d'un roc. Un peu long ce coup d'envoi, non? C'est un roc pour Carcassonne. Ils veulent faire vivre le ballon avec cet offload. Il conserve le ballon sur ce roc. Il fait une passe. Mais les spontanés se forment. Ils ont soigné la conservation du ballon. C'est il y a une faute, mais on va jouer l'avantage. Voilà, c'est fou. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ça reste un ballon pour Carcassonne. Et c'est un ruck. Ballon toujours pour Carcassonne. Une bonne circulation du ballon. Il converge vers le ruck. Mais les spontanés. Ils ont conservé ce ballon. Il la joue au pied. Point de fixation pour l'attaque. Il devrait tenter un coup sur les ailes. Beau plaquage du défenseur. L'attaque conserve le ballon. Et passe après contact. Ils ont encore le contrôle du ballon. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Il va conclure cette action sur un essai. C'est énorme ce qu'il a fait sur cette action. Bosch à la transformation. Bosch, et ça ne passera pas cette fois. La récupération de Oursake. Oursake passe à bonne défense. Conservation du ballon de Carcassonne. Passe mal effectuée. Chandelle de Jasmin. Oui, il tape au-dessus pour mettre la pression. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Ah, la passe ratée. Et les avants forment un ruck. Le ballon est conservé par Carcassonne. Nouveau point de fixation. Il garde la possession du ballon. Nous entrons dans les dernières minutes de la première mi-temps. Capté par McMahon. Ruck pour Carcassonne. Ballon toujours entre les mains de l'équipe de Carcassonne. Nous voilà donc au terme de cette première période. Et cette remise en jeu marque le début de cette deuxième période. Ça fait bien circuler la balle. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Un ruck qui s'est formé. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. La passe manquée de Ray. Magnifique passe après contact. C'est un ruck. Ballon toujours en possession. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Il conserve le ballon. Attention, ça va être un ruck. Se défend bien sur ce ruck et regagne le ballon. Belle passe. Le décalage est fait sur les extérieurs.
Ils vont contester ce ballon. Les joueurs de Carcassonne sont toujours en possession du ballon. Carcassonne à l'origine de ce ruck. Ballon libéré malgré le plaquage. Ray au contest pour ce ballon. Ça reste un ballon pour Carcassonne. McMahon qui capte ce ballon aérien. Passe la balle pendant le plaquage. Il y a un coup à faire sur les ailes. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Le ballon est transmis. Faut aller au large. Un ruck qui s'est formé. Jasmer, servi à l'extérieur. Il conserve le ballon. Belle passe après contact, mais risquée. On assiste à la formation d'un ruck. Il conserve le ballon sur ce ruck. Ça circule bien. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Il y va. Et ils inscrivent un superbe essai. C'est vraiment le genre d'action que le public aime voir, et nous aussi. Ben oui, Eric, et puis c'est tellement bien exécuté que c'est imparable. Ah, il semblerait qu'il y ait quelques changements parmi les joueurs. Oui, les organismes ont été mis à rude épreuve depuis le début du match. Oh là, c'est trop court ça! Ballon capté. La balle circule bien. Plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre. Valentine qui donne à Marou. Transmission de la balle sur l'extérieur pour Jasmer. De Carcassonne a encore le contrôle du ballon. L'attaque conserve le ballon. C'est un jeu au pied de pression. Il capte bien ce ballon. McMahon pour récupérer ce ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Ils vont contester ce ballon. Ils parviennent à conserver le ballon. Réception propre du ballon. Van à l'origine de ce ruck. Il est bien plaqué. Une première touche qui sera jouée par Van. Et il garde la possession du ballon sur ce lancer. Et les soutiens qui arrivent rapidement autour du porteur de balle. La défense stoppe la progression de ce maul. Bonnefond qui s'échappe, qui s'arrache et qui sprint. Ça vient au soutien avec Duplaine. Ça va se consommer au point de rencontre. Il déchire le rideau adverse. Quel essai ! Attention, il se rapproche dangereusement de leurs adversaires avec cet essai. Il faut qu'ils continuent de jouer avec lucidité s'ils veulent prendre l'avantage au score. On voit toute la concentration sur le visage du buteur. C'est dedans. Il a été bon sur ce coup de pied placé. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Carcassonne. Et le match se termine sur ce score finalement bien mérité pour les vainqueurs. Et comme on dit souvent, ils ont mis les bons ingrédients pour décrocher cette victoire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau match de rugby. Bonne fin de soirée.